Le Sénégal dans l'univers, le monde et l'Afrique. Donc ici, c'est une leçon multimédia sur la situation du Sénégal. Donc ici, on vous montre l'univers avec la planète Terre, ensuite le planisphère et aussi la carte du monde où on vous montre l'Afrique et le Sénégal en rouge, sur le point rouge. Donc voilà. Le Sénégal, donc l'Afrique est là au milieu, les cinq continents, l'Afrique qui est au milieu, et aussi le Sénégal qui est ici sur le point rouge à l'extrémité ouest du continent africain. Donc, on a fait ce cours-là sur la situation du Sénégal au CM1 et au CM2. On a préféré donc montrer les planètes de l'univers, ensuite la planète Terre, c'est-à-dire le globe terrestre, pour vous montrer l'Afrique au niveau du globe. Et après ça aussi, on a montré sur le planisphère, c'est-à-dire la carte du monde. On a essayé de montrer donc le Sénégal au niveau du continent africain. Voilà. On vous dit ici la situation du Sénégal. Donc toujours, on vous ramène encore la planète Terre, le globe terrestre. Et après ça, voilà, on vous amène encore la carte de la Terre, du monde. Et toujours l'Afrique, encadrer l'Afrique pour montrer à l'élève que c'est le continent africain où se trouve notre pays, le Sénégal. Voilà, et là, vous voyez la carte de l'Afrique. On l'a fait sortir du planisphère. Et pour maintenant, voilà, vous montrer les quatre points cardinaux du moins, l'est, l'ouest, le nord, et ici, le sud, en bas, pour montrer maintenant où se trouve, sur quel point cardinaux se trouve le Sénégal. Et le Sénégal est là, à l'ouest. Donc du continent africain. Et là, on vous montre la carte du Sénégal. Le Sénégal se situe donc dans le continent africain, juste à l'extrémité ouest du continent. Voilà. Donc c'est ça la situation du Sénégal. Maintenant, après ça, on vous montre les limites du Sénégal. Au nord, le Sénégal est limité par la Mauritanie, la capitale Nouakchott, à l'est par le Mali, capitale Bamako, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par les deux Guinées, c'est-à-dire la République de la Guinée et la Guinée-Bissau, et aussi il y a la Gambie qui constitue une enclave. Les limites du Sénégal toujours. On a montré ça maintenant dans la carte du Sénégal. On vous dit la superficie du Sénégal est de 192 722 km². Et là, vous avez le Sénégal avec les quatre points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord et le sud. C'est pour montrer les pays limitrophes du Sénégal, la Mauritanie là en haut, le Mali à l'est, la Mauritanie au nord, les deux Guinées en bas et la Gambie constituent une enclave à l'intérieur. Maintenant, du nord au sud, le Sénégal, du nord au sud, on a 500 km. Voilà, ça c'est pour montrer les pays limitrophes du Sénégal, la Mauritanie, à l'océan Atlantique, le Mali, la Gambie, voilà, et la Guinée-Bissau, les limites du Sénégal. 500 km du nord au sud, c'est-à-dire de Podor à Kolda et de l'ouest à l'est, c'est-à-dire de Dakar à Kidira, on a 600 km. Donc ça, c'est les limites du Sénégal et il y a l'étendue. Où on a 192 722 km². Il y a dans certains documents où on voit 196 714 km².
Voilà. Donc c'était le cours là sur voilà, merci beaucoup d'avoir donc suivi le cours et je vous demande donc d'abonner et de faire vos contributions et critiques au bas de la vidéo. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas aussi d'abonner à la chaîne. Merci.